Je suis Clémence Selman, je suis photographe et je suis basée à Arles. Et ma pratique s'articule autour de documentaires fiction, dans lequel je crée des narrations en utilisant la photographie et les textes notamment. On est à l'école Marie du Bocage et je travaille pendant 2 semaines avec 3 classes, CM1, CE2. Je suis venue donc avec 3 paysages différents et je leur ai proposé, à partir de ces paysages, de se mettre en scène et de peupler en fait ces paysages. Je voulais qu'ils partent vraiment des photographies et ensuite c'était qu'ils travaillent vraiment en groupe, qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur comment ils allaient peupler le paysage. Il y a eu un premier temps de discussion. On a commencé à définir des rôles pour chacun, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'était que de mettre en scène quelque chose, donc comment poser devant l'appareil photo, comment s'imaginer dans la peau d'un personnage. Une fois que les photos étaient prises et qu'on avait commencé à déterminer un peu des places pour chaque objet pris en photo, pour chaque personne prise en photo dans le paysage, on a commencé seulement à ce moment-là à créer une narration écrite. Le résultat final, c'est 3 grands formats imprimés. Il y a plusieurs choses que je voulais aborder ici dans cet atelier. C'était le rapport entre le documentaire et la fiction, comme moi je le pratique dans mes projets. Comment la fiction et le documentaire peuvent s'alimenter l'un et l'autre. Ensuite, il y avait aussi l'idée du photomontage, se dire qu'on peut jouer avec les images et qu'on peut totalement recréer de toute pièce un paysage, qu'on peut vraiment jouer avec aussi les échelles, c'est-à-dire mettre des personnages en très grand et d'autres en petit, qu'on peut jouer aussi avec les perspectives, avec premier plan, le second plan, l'arrière-plan. En partant de rien, à la fin, on a une histoire qu'on a réussi à construire.